La story. Avec Jean-Luc Bertrand. La story. Je suis un vieillard de 82 ans qui se lève tôt le matin et travaille tous les jours. À 18 ans, j'étais très révolutionnaire et très anarchiste. J'étais le cauchemar de mes parents. Je suis un électron libre qui est en orbite sur un monde qui ne m'est pas toujours très familier. Je suis, tout un chacun, un monstre qui s'ignore. Être bien entendu, il faut parfois être très grossier. Quelle est la chose que vous aimez le moins dans la nature humaine? Le manque de courage et l'hypocrisie. Ça, c'est deux choses que je déteste du plus profond de mon cœur. Je n'ai aucune envie de lire des conneries brillantes. Je n'aime pas ça. J'aime tellement cette langue. J'aime aussi tellement la culture arabe. Je suis très pro-arabe. Comme je suis aussi très pro-juif. Dès que je gagne de l'argent, j'achète quelque chose qui me fait plaisir. Parce que je me fais continuellement le plaisir de vivre. Mais la bêtise humaine, elle est incommensurable. Et quand je dois expliquer deux, trois fois la même chose et que je ne suis toujours pas compris, j'ai des boules de colère. Je pourrais étrangler. Mais vous êtes un éternel insatisfait, maître. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, pourquoi je serais satisfait? Je suis très satisfait quand j'ai quelqu'un autour de moi qui me donne le bonheur d'être ensemble. Il ne faut jamais rien lâcher, non? Et c'est la meilleure façon de lutter contre la vieillesse. La story. Du lundi au vendredi. Avec Jean-Luc Bertrand. Sur l'Essentiel Radio.